Je vais vous citer une anecdote. J'étais il y a 2 jours à mon bureau, un client m'appelle et il me dit « il faut absolument que vous veniez me voir demain matin, que je vous présente quelqu'un ». Et le lendemain matin, nous avons pris un café avec l'ami de ce client et qui nous a dit « écoutez, j'étais en train de déjeuner avec ce monsieur hier, et à la fin du repas, il a pris son application sur son téléphone et il a scanné sa note de frais et il l'a envoyé directement à son expert comptable. » Et je lui dis « mais qu'est-ce que tu fais ?» Il me dit « j'envoie ma note de frais à mon expert comptable. » Et il me dit « mais il faut que tu me présentes immédiatement ton expert comptable, ça me paraît tout à fait utile. » Et le lendemain, je déjeunais avec ce nouveau client. Le bilan est globalement positif puisqu'on a un peu plus de la moitié de nos clients qui utilisent la plateforme de façon régulière, ce qui nous permet d'être alimentés de façon fluide sur la récupération des pièces comptables. C'était l'objectif, on en est content. On a testé, on a mis en place tous les connecteurs de façon que tout fonctionne pour arriver à lancer d'une manière, on va dire, un petit peu fracassante, le lancement de la plateforme My Company Files web, mais également application. Et le retour que j'ai, le plus important, c'est sur l'application. On a créé, My Company Files, il faut rendre à César ce qui est à César, a développé pour nous notre application qu'on appelle My AMC. Et grâce à cela, j'ai des retours commerciaux phénoménaux. C'est impressionnant que dès que je sors la petite application MyAMC et avec les connexions notamment avec indicateur flash de RCA, les gens ils me disent « je veux ça ». Donc après, le plus dur, c'est d'arriver à faire face à cette demande. Mais c'est un problème de riche, comme on dit. Alors aujourd'hui, j'ai un focus tout particulier à faire sur My Company Files par rapport au RGPD, puisque j'ai rendu obligatoire la transmission des éléments du social, donc les données de paye en réception et surtout la restitution des bulletins de paye, pour absolument respecter la confidentialité et le secret professionnel qui est le propre de nos cabinets. Ce que me permet de faire My Company Files très bien et d'être dans le respect total du règlement pour la protection des données.